Je rêve ou quoi? Nom d'un globe, mais où est-ce que j'ai atterri? Excusez-moi, monsieur. Oh, ça y est, tu es réveillé. Oh, mais voilà qui est merveilleux. Oui, c'est ça, c'est merveilleux. Dites, vous pourriez me dire où je me trouve? Mais voyons, jeune homme, tu te trouves dans le célèbre royaume de l'immensité. Figure-toi que tu es passé à travers la fissure de mon toit et ensuite tu t'es échoué sur cette tarte de taille normale. En tout cas, je ne peux pas rester. Mon ami là-haut doit s'inquiéter. Vous pourriez trouver un moyen de me faire remonter? Non, 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 ne dis pas de sottises, mon enfant. À l'heure qu'il est, il y a de grandes chances que ton ami soit déjà parti à ta recherche. Tu devrais l'attendre ici pour être sûr de ne pas le manquer. Effectivement, ça me paraît tout à fait logique. C'est un peu plus logique. En plus, tu arrives pile à l'heure pour admirer le carillon de ma merveilleuse horloge. Je t'assure que ça vaut le coup d'œil. Elle carillonne toutes les heures, tu te rends compte? Le travail acharné. Oyez, serviteur, je veux que vous offriez à notre invité les mets les plus délicieux du royaume de l'immensité. Nous allons attendre que le carillon sonne dans la joie et la bonne humeur. Mange à ton aise, mon enfant, on ne manque pas de nourriture ici. Waouh, des beignets aux pommes. Attends de voir le carillon de mon horloge, tu ne vas pas en revenir.